plein de choses, beaucoup de mieux pour moi. Il faut combien de terrains par chèvre? Donc, pour la OCP Lardon, le minimum c'est 0,2 hectare de surface pâturée par chèvre. Mmh. Et après, vous avez les pélardons secs, ça c'est les fromages du mois de mai, si vous voulez goûter. Donc ça c'est un fromage très doux, très fondant au niveau texture. C'est toujours moi. Je vous ai apporté quelque chose, ce sont des pélardons de Mathieu Rio qu'on a visité ce matin. D'accord. Une bouteille de paradis. Voilà, voilà. Voilà. Juste une petite. Alors la sultane, d'après ce que décrit André Gide, c'est ce qu'on appellerait maintenant une pièce montée. Donc une pyramide de petits choux fourrés à la crème et recouverts de caramel bien raide. Madame Chimgi, vor dem Haus, in dem Racine seine Briefe geschrieben hat. Hier hat er gesessen und hat seine Briefe geschrieben. Bon, ça c'est une belle histoire, mais ce n'est pas la réalité. et on va l'envoyer chez son oncle, qui était chanoine. Et avec l'idée que Racine rentre dans les ordres, en fait, fasse une carrière religieuse. Nous avons des nuits plus belles que vos jours. Ah oui, c'est par un hasard. J'ai parlé avec un libraire à Uzès, qui est un ami de Frédéric Lossin. Lui, il s'appelle Christian Feller. Et là, il y a eu une réédition de trois textes autobiographiques de Brousson qui ont été faits par, avec une préface de Frédéric Gossin, le fondateur du monde de l'éducation, et qui est lui-même le fils de Yvan Gossin, qui était un très grand ami de ce Jean-Jacques Rousseau.
il y a des livres de vous qui sont édités chez Wunderhorn à Heidelberg. Mais non, ça n'a pas été édité. Mais Messner devait, mais il m'a toujours dit oui, mais bon. Et allez chercher ce livre que vous avez fait en Allemagne, à Offenburg, parce que je voudrais parler de ça. Quelques secondes seulement. Seul à bord. Imprimé sur les presses de Franz Boda à Offenburg. Voilà. Ah, je crois pas. 1945. Oui. Oui. Et comment vous êtes venu en contact avec Franz Boda? J'ai entendu parler de Franz Boda comme imprimeur, un bon imprimeur, parce que je m'occupais d'une revue à ce moment-là qui était éditée par le bureau d'information de l'armée française. Voilà. Vous étiez militaire à ce moment-là. Oui, j'étais encore militaire. Oui. Mais il y avait des gens allemands, des gens français qui ont travaillé pour cette équipe. J'ai des reportages en forêt noire. J'écrivais des articles sur les poètes allemands, sur Rilke, sur etc. Bon. Et donc, je savais que Franz Boda était un grand imprimeur. Oui. Alors, je suis allé le voir à Offenburg. Je lui ai dit, voilà. Il m'a fait un prix. À Joseph Détail. Ah oui, ça c'est l'exemplaire que j'avais donné à Détail. Oui. Quand même, je sais pas, c'est instinctif, je vois un truc, hop, mais non, j'ai jamais vu un livre, j'en ai des livres, on m'en a offert et tout, mais je regarde, s'il y a des images, je regarde les images. Das ist sehr gut. Je vais parler de notre invitation à la Cornemotte.
Exactement, ouais. La grande mère. Elle s'est tournée vers vous en disant « Et bien sûr, avec votre mari. » Je lui ai dit « Pas encore. » Ah, il y a aussi quelqu'un ça pourrait intéresser. Une éditrice de la région qui est assez formidable, qui s'appelle Marion Mazoric, et qui a les éditions du Diable Vauvert. Vous pouvez vous mettre derrière le muret là-bas, et puis vous comptez jusqu'à 5 et vous venez. Moteur, silence, action. C'est bon ? Allez, oui, parti. Allez. Hop. Voilà. Ah, vous pouvez tout faire, vous allez travailler. Ah oui. Vous pouvez aller au bar des pêcheurs. C'est le faux curry. Ça a des odeurs de curry quand vous le frottez. Comme variété d'olive. Alors ici nous sommes devant un arbre de picholine. Elles sont déjà bonnes, on pourrait les déguster. Encore elles sont un peu trop vertes pour déguster. Ça ne marche pas du tout. Vous ne voulez pas le dire. Oben auf dem Pont du Gard, was natürlich strikt verboten ist. Man muss immer gucken, ob keiner kommt von da oder von da. Und Sie haben eben gesehen, dass überall in den Mauern diese kleinen Namen eingeritzt sind und Sie haben das MH gesehen, aber das war nicht. Du jour est terminé. Voici les fleurs de safran. Mon fils joue au rugby. Oui. Les couleurs du rugby club, c'est le jaune et le rouge. Je voudrais déguster le faisan. Allez-y, goûtez. Merci. Elle n'est pas infusée au top, mais vous allez sentir. Ah oui. Déjà le goût. Moi, je suis tombée amoureuse de cette fleur. Ça fait rien. Ça donne toujours un petit goût. Qui change, ça change tout. C'est vraiment, comme je dis souvent, c'est mettre du soleil dans les affaires. Et au mois de mai, c'est vraiment l'explosion des fleurs sauvages. Thank you.
entre le sabin pro. J'ai de festénar de la banastarie, c'est ce loup vicin et sous noble pain remestramboy. S'il n'y avait pas gume mistra, la banastarie devant la brègue, c'est n'a parlé, il aurait pleu. On le sait bien, il n'y aurait pas de festival de fête de la vannerie, hein, de la banastarie, s'il n'y avait pas eu Vincent et son père Mestramboy. Si Mistral n'en avait pas parlé, personne n'aurait plus pensé à parler de vannerie à Valabrègue. Trüffel-Ehrgeiz eben habe. Im Herbst dann einen Monat lang trainiert und danach hat sie uns Trüffel gefunden. Das sagen wir hier aber niemandem, weil Trüffelhunde gern geklaut werden. Alvina! C'est la plus belle ville du monde. Marseille gab es das Viertel vom alten Hafen, das alte Viertel. Und meine Mutter brachte mich vielleicht am einen Tag oder zwei Tage, nachdem wir dort angekommen waren, brachte sie mich dort in dieses Viertel. Das war bunt und ganz laut. Also ich will nur sagen, dass es gab nicht fließendes Wasser in jedem Haus im alten Viertel. Et on va choisir le meilleur. Ok, pas de soucis. T'as vu, j'ai fière d'être marseillaise. Ah, de Marseille. Ah, une vraie marseillaise. Ouais, j'habite au panier. C'est bien Marseille? Ah, moi c'est ça qui fait pour rien au monde. Mon mari va aller vivre à la campagne. Ah ouais, je pourrais pas vivre à la campagne. Voilà. Pour aller passer les week-ends, avoir une maison secondaire, pour aller passer un mois et encore. Merci. Mais vivre, moi, je pars pas de Marseille. On a la mer, on a le beau temps, on a le poisson, on a tout. On a tout ce qu'il faut ici. Je comprends, mon bon, je suis né à Marseille, moi, j'ai pas bougé de là. Non. Je suis né au panier, moi, là. Mon allemand. Non, je crois pas. Oui, mon allemand. Non, c'est pas vrai. Oui. Du Forêt Noir, vous venez du Forêt Noir. Non, à côté à Munich. Moi, je suis marseillais, faire de la.
Mais d'abord, le chef, c'est celui qui est de Saint-Joseph, le chef de la cuisine. Saint-Joseph. Comment fumer? C'est récent qu'on raconte cette histoire. Alors moi, lorsque je vais visiter le palier, ah oui, ça a été détruit par les Allemands. Je reprends. Mais est-ce que ça a vraiment été détruit? Une carotte, si t'en as une sous la main, et ça va. Là, c'est du luxe déjà, hein, de mettre ça. Enfin, du luxe. Parce que Matou ne voudra pas s'enlever. Qui est vraiment extraordinaire, ce chat. Bon, les enfants, je vais vous dire bon appétit. Quand je me lève le matin, je m'occupe de ce qui se passe chez moi, pas chez les autres. C'est la meilleure des solutions pour que tout se passe bien dans la vie. Bien. Allez, attends. De Paris. Allez, Clias. Ça va être un peu difficile de donner quel genre d'explication. Oh mon Dieu, quel horreur! Non, s'il vous plaît, je vous en prie! Moi, jamais fait, mais. Et quand je dis, pour les archives. Oui, c'est la table des meilleurs ici. Comment allez-vous? On est content si on a survécu à la guerre. C'est terrible. Oui. C'est terrible. Bonjour, mesdames. C'est un mot allemand. Kalfaté, c'est pas du tout le même terme. Oui. En allemand, ça veut pas dire la même chose. À l'époque à la Segas avec ses deux enfants.
Varian Frey, der sehr viel gemacht hat für die Exilanten. Varian Frey arrivait à Marseille, à la gare, et il cherchait un lieu, une résidence, un hôtel. Il s'est logé dans ce bâtiment-là, Hôtel Splendide. C'est important pour moi, y compris et d'abord en tant que chercheur, de dire la raison scientifique n'explique pas tout. Parce que mes parents habitaient à Saint-Nitre en fait. Ici à Marseille, notre réputation est faite sur la bouillabaisse parce que c'est le plat le plus populaire à Marseille. Après, on a une autre spécialité qui est plus une spécialité de Sète, qui est la bourride. Or, la bourride, la différence avec la bouillabaisse, c'est très simple. La bourride, tout est blanc. Le poisson, c'est du poisson blanc. Ouais. Et c'était très bon. C'était très bon. Pas du tout. Ah, quoi, tu l'as dit, hein. Pas du tout, tu l'as dit, mais t'as bien. Tu l'as bien? Ça va encourager.